Y a pas de mal à se faire du bien. Le seul problème de la drogue, c'est que c'est tellement bien que t'as rien envie de faire d'autre en fait. C'est ça le problème. Sinon y a pas de soucis, hein. Comme on dit, c'est pas la vitesse qui tue les gens, c'est l'arrêt brutal. Ils sont enragés, brutaux, impitoyables, sans merci. Mais vous, vous serez bien pire. L'éradication, c'est ça votre credo. Bienvenue au Troisième Reich. Bienvenue à la Luftwaffe. Yeah. Oh le son, ma gueule. Oh le son. J'ai mis exprès le son du jeu un petit peu fort, qu'on entende bien le design sonore, parce que Mick Gordon a fait un travail impressionnant avec la musique et le son du jeu en général est très bon. Du coup, je vais laisser le son du jeu un petit peu fort, c'est normal. Nous devrions pouvoir trouver un terrain d'entente pour résoudre ce problème. Il est trop en colère, le garçon. Il est trop en colère. Il en a rien à foutre de ton briefing. Il te défonce ta gueule, mec. Et voilà, deuxième arme direct. Le putain de shotgun, ta race. 1 minute 30 de jeu déjà au fusil à pompe. Ah non, mais je te promets. Le jeu, il a compris. Les gars, pour une fois que Bethesda... Enfin non, c'est pas Bethesda, c'est ID Software, mais... Une fois qu'ils ont... Pour une fois que les devs ont compris pourquoi les gens avaient aimé leur jeu, tu vois. J'assume l'entière responsabilité des atrocités de ces 24 heures. Comprenez toutefois que l'intérêt que nous portions à leur monde n'avait pour seul objectif que l'amélioration. Oh shit! Il apparaît aujourd'hui que nous avons perdu. Je dis rien. Mais le risque d'aller au même creux. Ah fuck! Yeah, bitch! Putain de sa race! La putain de sa mère! Je suis trop sensible à la badasserie comme ça, super simple et super débile. Ok. Un tir de mortier explosif? Mais pourquoi tu me demandes? Ouais, ok. Je fais ça moi. Ouais, carrément. Mais le mec il met des pains à des drones! Oh le gars il est invivable. UAC aspire à l'excellence. Voilà pourquoi nous avons instauré la semaine de 7 jours. Vous allez accomplir de grandes choses avec vos coéquipiers. Ça m'intéresse pas. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Cette chanson est complètement conne d'ailleurs. On se casse, d'accord, on se casse. Ah, j'ai loupé pas mal de... Cette putain de bande-son enculé, mec! Ouh! Oh, succès déverrouillé E1M1. Ouh! Je crois que j'ai un petit peu fait pipi dans mon pantalon. Je suis désolé, ça m'arrive de temps en temps. Putain. Ils savent, les gars. Franchement, ils savent. Tu vois, ils sont dit, putain, avec Doom 3, on n'a pas trop géré. Je crois qu'ils nous font tous la gueule. Bim! Dans ta gueule, ils te foutent juste un achievement qui s'appelle E1M1 pour bien qu'ils te remettent dans la gueule. Hey, tu te souviens de Doom? C'était de la bombe, non? Et toi, tu fais yeah, ma gueule. Bon, après, John Carmack te chie à la gueule, mais. John Bonjour. Carmack qui avait dit Vega, une histoire dans un jeu vidéo, c'est comme un porno, on s'attend à ce qu'il soit là, mais c'est pas nécessaire. Ouais. Cet homme a quand même créé une des licences de jeux vidéo les meilleures du monde. Voilà. Loupé. Je t'encule moi, je t'encule la bite. Yes. Réalimente-moi la bite. Réalimente-moi tout là-dedans, maudit français. Ah, voilà le joli paysage martien. Un petit côté Ouagadougou. C'est un secret ça? Yo. Qui ouvre une porte juste en dessous. Oh! Oh shit! Oh putain! C'est E1M1. Oh, trop stylé! Oh, c'est trop bien!
Ah, il y avait déjà ça dans Shadow Warrior. Ça m'avait fait kiffer. C'est la première fois que j'avais vu ça, c'était dans Shadow Warrior. Mais là, voir ça dans 12, c'est encore mieux, je crois. En espérant, je vais pas trop me paumer. Ça risque d'arriver, hein. Je dis en espérant, mais je sais que ça va arriver. Non. Oh merde. J'ai compris que quand il commençait à me pousser, en fait. J'ai compris que quand le chariot commençait à me pousser, l'étrange erreur que j'avais commise. Ok. Vous n'êtes pas communiste alors. Voilà, qu'est-ce que ça peut te foutre? Pas possible ça. Tu regarderais pas si on était comme communiste. J'avais pas vu qu'il y avait. C'est ma faute. C'est moi. Pardon. Pardon. J'ai cherché. Je me suis dit, tiens, les mêmes lasers rouges que tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura le même piège? Que dalle. Absolument rien. Absolument rien. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'appuie sur tous les boutons. On dirait un babouin qui apprend à se servir d'un ordinateur portable. Le signal, sens de l'orientation de Perceval. C'est encore pire que ça, mec. Je suis absolument une grosse merde. Ok, on se casse pas encore. Ok, on retourne sur Mars. Ok, c'est le bordel. Toi, je vais niquer ta race. Ah, j'ai plus de... Merde. Je croyais qu'il me restait de l'essence, mais non, en fait. Yeah. Je suis en mode berserk. Yeah, rip and tear. Rip and tear. Oh. Oh putain, l'artefact berserk. Non, reviens. Non, reviens. Oh merde. Il dure super longtemps en plus. Oh la vache. Oh là là, la violence du truc. Spartan 117 bat Doomguy. T'es vraiment un gros bolos, mec. Doomguy, il a traversé l'enfer 3 fois et il a buté le diable. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce qu'il a fait, Spartan 117? Ouais, il a buté quelques aliens. Oulala, dis donc. Il s'est paluché avec une IA. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. C'est une grosse baltringue. Spartan 117, il pue la merde. Il chie dans son armure. Doomguy, il chie même pas. Il te chie dans la bouche. Et parce qu'il fait exprès. Oh là 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 là. Il fait ça, Spartan 117? Non, pas du tout. Alors attends, il va bien avoir un petit secret quelque part ici, là, non? Ça va où, ça? Absolument nulle part. Ça va où, ça? Ça, je veux ça, là-bas. C'est des munitions. Moi, je prends ça. Ok, d'accord. Ok, je pensais qu'il allait s'accrocher. C'est ma faute. Je pensais qu'il allait s'accrocher à la barrière, à la surface, et qu'il allait remonter dedans. C'est ma faute. Je suis absolument une grosse merde. Calme-toi, Mick Gordon. Mick, c'est bon. Tout le monde est mort, Mick. Voilà, tu peux te calmer maintenant. Détends-toi, Mick. Voilà, on respire. Tout va bien, d'accord? Voilà, tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Ça te va, Mick? T'es content, Mick? Tu veux une tartelette? Je vais essayer de refaire ça, par contre. J'espère qu'il faut pas le double saut. Parce que sinon, je suis un peu dans la merde. Hop, hé ho, hé. Non! Oh là 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 là, putain. Merde, faut que je remonte. Je suis con. Hop. Heureusement qu'ils ont, mis des petites lumières jaunes pour montrer où on pouvait... Ça, c'est du bon game design, tu vois. Les petites lumières vertes indiquent des endroits où on peut sauter. C'est un peu comme les lianes dans Uncharted. Mettre des lianes qui pendouillent. Non. Putain. Mais merde. Mais t'es con ou quoi, Doomguy? J'arrête. Eh, hey, Doomguy. Mec. Entre toi et moi. Si tu trouves pas un moyen de t'accrocher un petit peu les couilles, je vais commencer à dire que Duke Nukem est un meilleur protagoniste que toi. Non mais je suis obligé. C'est triste, mais je suis obligé. Si les turbines ne sont pas relancées, aucun de nous n'y survivra. Mais en même temps, je dis ça, je suis un peu un robot, donc je m'en bats un peu les castagnettes. Vous aurez remarqué que je n'ai pas dit les couilles, car j'en suis complètement dépourvu. Et ce n'est pas une image, j'ai littéralement aucune testicule. Ou aucun testicule, j'aurais dû dire, pardon.
J'ai mal accordé mes couilles. La 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 la. Ah, c'est bon. Je suis en dos. Je suis accordé en dos. Les gars, je veux me suicider, d'accord? Parce que j'ai envie de voir si un truc marche. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Yes! Yes! Très très bon! Très 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 bon! Ah putain, qu'est-ce que j'aime les références connes comme ça! Oh là là! T'as vu, j'ai fait un yes à la dictator quoi! Yes! Ah, ça fait plaisir! Rien. Fin du verrouillage. Fin du verrouillage de ma chatte. Porte de la chambre des turbines ouverte. Oh, grosse salope. Tu les aimes, tes turbines. Ouais, je sais, c'est pas top. Oh, tu les aimes, les joints de culasse. Tu le veux, moi, joints de culasse. Dans ton cul. Ah. Message sur le répondeur. Attends. Attendez, les gars, je reviens. Alors la sonnerie Spiderweb, espèce de petit con de 12 ans, c'est la sonnerie du pager de GTA 3. Si t'avais joué à des jeux quand t'étais petit, tu vois, après que t'aies 12 ans, donc l'année dernière, tu l'aurais su, tu vois, tu comprends? Mais bon, c'est pas grave, je t'en veux pas, tu sais, les gens un peu jeunes comme toi, tu vois, qui ont des Xbox, Xbox One, non pas des Xbox 360, ça va, quoi, tu vois. On les excuse, disons qu'ils ont des facilités. Attends, ça me gratte la bite. Ah, Yadar, viens me gratter la bite.